L'idée de Goebbels était
simple, plus divertissement et la meilleure propagande qui soit. Il était fou de cinéma et aimait regarder les jolies femmes. Donc, essentiellement, il aimait exactement ce que le spectateur voulait. Le film de divertissement avait un but politique. Ce but politique était de vider les rues de tous les spectateurs et de les éloigner de leurs soucis domestiques et familiaux. La pilule empoisonnée était sucrée. Les Borgiens mettaient le poison dans un gobelet de vin ou en vous piquant légèrement le doigt avec un anneau. Signor savait exactement ce qu'il faisait. Babelsberg, dans la banlieue ouest de Berlin, Goebbels surveillait une énorme usine cinématographique. Environ 90% des films contrôlés par Goebbels et son ministère étaient en apparence exempts de propagande. Ce lieu était conçu pour produire du divertissement. À la fin de la guerre, Babelsberg tombait aux mains des Russes. Les énormes studios nous sont parvenus presque intacts, tels que les nazis les avaient abandonnés. Les magasins d'accessoires et de costumes contiennent toujours l'ironie du Troisième Reich. Rudolf Plix a travaillé comme acteur il y a presque 60 ans dans le studio même où Fritz Lang a tourné Metropolis. Cet endroit en Allemagne, Babelsberg, devait être le plus grand studio cinématographique d'Europe, plus grand qu'Alstrie en Angleterre et plus grand que ceux de Paris. Il s'est développé comme un centre de l'industrie cinématographique. C'était une grande époque, parce qu'il était comme un aimant, c'est le mot juste. Parce que chacun y faisait comme partie d'une grande famille, vraiment, qu'il soit un simple ouvrier ou le directeur le plus haut placé, ce n'était qu'un seul corps, travaillant à la belle atmosphère du film. C'était le rêve de chaque individu, comprenez-vous? Margot Hinscher a commencé sa carrière d'actrice à Babelsberg. C'était absolument fascinant et c'était très très grand. Et une fois que nous vous venions comme moi, nous emmenions chaque recoin. J'étais tellement vivant. Il y avait tous les beaux noms réalisateurs, d'acteurs, d'actrices, de caméramans. C'était aussi une atmosphère difficile à décrire. C'était si bon, si important et si enthousiasmant. Le premier rôle de Margot Hinscher était un drame en costume situé au XVIe siècle. Elle allait bientôt découvrir l'étendue du contrôle de Goebbels sur les studios. Il avait toute l'influence que vous pouvez imaginer. Il décidait qui aurait le rôle et qui ne l'aurait pas. Je crois qu'un réalisateur disait nous voudrions avoir Margot Hinscher. Il devait approuver. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais pas eu le rôle. Son influence était tout simplement infinie. L'industrie cinématographique allemande reconnaissante payait la construction de la luxueuse villa de Goebbels à Lemke avec climatisation, chauffage central et bed électrique. Il y a peu de temps encore, la maison appartenait au parti communiste est-allemand et on interdisait de la photographier. Winfried von Hoven a travaillé à côté de Goebbels. C'est la première fois qu'il peut revenir à la villa de Lemke depuis l'automne 1944. Cette terrasse est idéale pour profiter de la nature. Je peux imaginer que l'on aurait pu y monter de mer et de vallée.
Le décor du paysage du Brandenburg, c'est vraiment quelque chose. Il nous entourait. Un silence total. Et le calme de la vie dans la campagne. Nous étions souvent assis à l'intérieur. Un jour, Goebbels a fait un de ses tours. À l'étonnement de tous les invités, je l'ai vu alors. Imaginez-vous, à la fin des années 30. Il les a baissés de nouveau comme je le fais maintenant. Que je puisse de nouveau le faire aujourd'hui est tout simplement merveilleux. Les femmes le trouvaient extraordinairement attirant malgré son pied estropié. Il était élégant et charmant. Il pouvait de la façon la plus délicieuse être très agréable avec les femmes. En décembre 1931, Goebbels épousait Magda Quandt. Adolf Hitler était témoin au mariage. Les films d'actualité de propagande allemande dépeignaient Magda, ex-femme d'un riche industriel, comme le type même de la féminité arienne. Et les enfants du couple avaient complété l'image de la parfaite famille nationale socialiste. Wir haben viel gelacht. Wir haben beaucoup de compagnons.
Cette personne dit qu'il était diabolique, il n'était jamais comme ça avec moi, il était toujours très agréable.